Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, comment allez-vous? Ici Mkolo, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de LSPDFR et vous le voyez devant moi, nous sommes à la montagne. Nous sommes de retour avec la petite Chevrolet, je ne sais plus le nom, je ne sais plus le nom, on va voir juste après. Et j'ai une collègue féminine comme promis. Donc c'est quoi de nouveau le modèle là? C'est une Chevrolet Silverado je crois, hein. Silverado, c'est bien ça, voilà, je suis trop fort. Aujourd'hui les amis, une patrouille peut-être tranquille, peut-être pas, je ne sais pas, je ne peux rien vous promettre. Nous allons patrouiller au secteur de la montagne pour changer un petit peu. Donc toute la montagne va être à nous, on va s'occuper un peu des interventions qui nous intéressent. Et potentiellement dans de prochains épisodes, on refera des grosses courses-poursuites. En tout cas voilà, j'avais envie de reprendre ce véhicule avec une collègue féminine et qu'on s'amuse un petit peu à la montagne, que ce soit un peu... du challenge et qu'on s'amuse tout simplement, qu'on passe du bon temps. Donc collègue, tu peux venir avec moi, elle s'appelle Samantha, voilà, comme ça vous le savez. On va essayer d'être RP le plus possible, ça y est, j'ai l'alphabet de policier en tête, donc Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, etc. etc. Donc l'alphabet, il est plutôt imprimé dans ma tête, enfin pour le moment il est plutôt imprimé sur une feuille devant moi. Mais du coup voilà, donc petite patrouille avec cette Silverado, j'espère que cet épisode va vous plaire les amis, j'espère que Samantha, tu es prête, elle l'a l'air. Elle a l'air complètement prête. Et en plus, elle est plutôt mignonne. Voilà. Comment il roule, lui? Il a dû avoir peur, je pense. Du coup, voilà, on patrouille. Donc là, on est dans un petit village au niveau de Graspy Seed. Ouais, il y a les avions, du coup, qui sont en train de mettre des pesticides dans les champs. Du coup, on va patrouiller au niveau de la montagne. J'avais oublié de faire un truc. Je vais dire tout simplement que je suis disponible pour les appels. Oui, parce que sinon, on pourra pas faire grand-chose. Et en attendant qu'on nous appelle, on va faire un petit tracé. Regardez, on peut prendre ces petits chemins, là. Non, c'est possible? Ouais, on va essayer de prendre ces petits chemins pour voir, sauf si on nous appelle entre temps, évidemment. Du coup voilà, pouce bleu, évidemment, si cette vidéo vous plaît. Continuez encore en commentaire à me proposer des idées de secteurs, des idées également de véhicules. Je vais pas vous mentir, cet épisode, je le tourne avant d'avoir vu les retours du dernier épisode, parce que bah, j'avais trop envie, tout simplement. Et puis comme du coup c'est un épisode où on reprend un véhicule qu'on avait déjà utilisé, je me suis dit c'est pas la peine du coup de faire attention... à vos retours, enfin je veux dire c'est pas nécessaire que j'attende vos retours. Par contre évidemment je suivrai vos idées encore une fois. On a donc des vélos, ouais, c'est un petit champ peut-être un peu compliqué, mais voilà, on va se faire ce petit challenge. Écoutez les amis, on va prendre ce petit chemin avec le véhicule, je pense que c'est une bonne idée. Donc là on a des collègues de policiers, des collègues qui sont sur place tout simplement en train de rouler. Ouais, on va prendre ce petit chemin de vélo. Oula, c'est peut-être un peu risqué, non. Par contre on va prendre ce chemin là. Ce chemin là est un petit peu mieux, c'est écrit quoi? Broadrock Farm, c'est une ferme. Ok, bah vas-y, on va suivre le chemin. Je vais enlever le GPS. Voilà, on va suivre ce chemin, on va faire attention. On peut à tout moment rencontrer des cyclistes sur la route. Je pense également des voitures, hein. Les véhicules ici sont totalement autorisés. Mais voilà, l'avantage c'est qu'on a vraiment le véhicule adapté pour ça, c'est pour ça que je voulais un petit peu m'amuser, histoire qu'on prenne un peu des chemins comme ça. Regardez ce qui nous attend en plus là-bas, les chemins ont l'air assez assez coriaces. Ça va être assez marrant. Ah quoique, attendez, ah je sais où on est. Y'a pas une cascade d'eau là? Ah non, pas du tout. Non, c'est juste un cul-de-sac, c'est une ferme. On va aller voir si tout se passe bien du coup. Hein. Ah, ANPR hit. Ok, donc un véhicule qui a été repéré sur l'autoroute qui aurait... Merde, qui est connu pour possession de drogue à l'international. Comment on va faire pour pouvoir... Ah ouais, c'est compliqué, on peut pas passer par là. Hein. Ça va être un peu compliqué. Écoutez, on va laisser cette intervention aux collègues. Vous savez quoi? On va vraiment laisser cette intervention aux collègues. Parce que là, on va pas pouvoir. Je veux dire, là, on est trop loin, on va être trop lent. Et clairement, on n'est pas prêt pour une course-poursuite. Là, ce serait plutôt, voilà, avec le véhicule qu'on a eu dans le dernier épisode. Du coup, voilà, on va pas faire cette intervention, les amis. J'espère que vous m'en voulez pas. On va par contre, voilà. Eh, ça y est, on est parti sur du challenge. Ah, parce que là, vous imaginez, il fallait passer par là pour suivre le mec. Oh là, comment on va faire? Oh, ce virage-là. Alors, oh putain, on est bloqué. Stop, arrête, arrête, oh. Ok, c'est bon, tout est sous contrôle. Pas du tout. Pas du tout. Eh bah écoutez, on va y aller en moonwalk, hein, c'est pas grave. Allez, c'est bon, tout va bien. On va essayer, je veux absolument qu'on essaye de monter. Wanted felon véhicule, pareil, ça c'est sur l'autoroute. Bon, écoutez. On va éviter de casser la voiture. On va essayer de retourner sur une route plus ou moins potable. Ça passe. On va essayer de passer sur une route plus ou moins potable. Ah, on va se mettre sur l'autoroute. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? Mince, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'autoroute pour pouvoir monter ici après. Au niveau du...
Bon, on était déjà dans ce secteur dans le dernier épisode, mais du coup, on va monter le mont Chiliad en gros. On va essayer de voir si on peut monter le mont Chiliad, d'accord? À moins qu'on prenne un autre chemin. Ouais, non, on va plutôt passer par là. C'est quand même plus intéressant, les amis. On est d'accord? Allez, c'est parti. On va quand même passer par les petits chemins. On va pas passer par l'autoroute. Puisque nous ne sommes pas du tout la police de l'autoroute. Enfin, si, on peut être amené à intervenir ici. Bicycle and Freeway. Alors attendez, c'est pas vraiment nous de faire. Oh, c'est là-haut, ça sert à rien. Ah, on fait pas, les amis. On sélectionne, les amis, on se fait plaisir. C'est un épisode un petit peu plus chill and relax. Même si à tout moment, ça peut très vite partir en cacahuète. Hein. Soulignons-le quand même. Gas station. Ok, donc là par contre, c'est juste à côté. On y va direct. Intervention. Enfin, c'est juste à côté, je veux dire, c'est dans mon secteur de la montagne, hein, vous m'avez compris. Donc on a un vol à la station essence. Hein. Donc c'est pas comme dans le dernier épisode un vol d'essence, c'est un vol à la station essence. Nuance. Hein. Donc un vol dans une petite supérette. Donc on va y aller avec ma petite collègue féminine. Parce que Samantha, elle commençait à s'ennuyer, hein, je l'ai vu. Pareil, vous les viewers, je savais que vous vous ennuyez. Mais tout va bien, là on est parti pour une petite opération qui j'espère va bien se dérouler. Alors, j'ai pas non plus des grosses armes sur moi. Évidemment. Allez, pep, on se pousse. On arrive sur les lieux. Du coup, c'est là qu'on a commencé la patrouille. Donc, évidemment, ils ont attendu qu'on parte avant de faire un vol. Alors. Ah. Mais je crois qu'ils ont été arrêtés parce qu'il y a personne. Je vais prendre mon fusil à pompe au cas où. Ah, si, j'ai une petite carabine, c'est vrai. Ça va. Bonjour, police! Ok, ouais, c'est bon, donc l'individu en fait est derrière, il a été neutralisé apparemment. Ok, l'individu est là. Bonjour monsieur, donc un agent de la sécu. Hein. Comment allez-vous officier? Donc on a eu un incident de vol. Hein. Par chance, j'ai réussi à l'attraper. Voilà, d'accord. Et il avait sur lui 239$. Enfin, en gros, ce qu'il a volé, c'est d'une valeur de 239$. Donc, et là il est en train... Eh, je t'ai pas dit de parler là. Il est en train d'insulter en disant que c'est des mensonges. Ta gueule. Why the fuck did the store get dedicated security? Pourquoi dans ce magasin il y a une sécurité? Bah pour éviter que tu voles, connard. Pardon, excusez-moi. Oh, je suis super vulgaire. J'aurais besoin to get my free stuff now. Bah non, en fait, tu vas pas avoir... Non, il faut payer. Shoplifting is a crime, the reader is a criminal. D'accord. Alors ok, en gros il est en train de dire que c'est beaucoup trop cher ce qu'il y a dans le magasin et qu'il aimerait avoir ce qu'il veut mais gratuitement parce que c'est honteux que ce soit cher quoi. Non, mais il a dit qu'en gros il a rien volé par contre et que c'est un mensonge. Bon bah déjà monsieur, on va procéder par je vais vous demander de toute façon vos papiers d'identité hein, directement, on va procéder par des vérifications. Shane Young, paie de chèque. Recherche au fichier pour Shane Young. Est-ce qu'il est connu des services de police? En plus, monsieur est recherché. Bon, bah là, du coup, il n'y a rien à faire. Eh ben, monsieur, retournez-vous. Les mains derrière le dos. Vous êtes placé en état d'arrestation. Laissez-vous faire et tout va bien se passer. Monsieur coopère. À compter de maintenant, vous êtes en état d'arrestation, monsieur. On va évidemment le fouiller. C'est moi qui vais m'en occuper. Du coup voilà, donc il a tenté de voler et en plus de ça le suspect est recherché par la police, donc on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on va peut-être voir ça du coup dans nos fichiers. Alors il avait de la marijuana sur lui en plus et de la méthamphétamine. Du coup voilà, fin d'intervention, on va pouvoir partir, on va prendre l'individu, viens avec moi Samantha. Et puis on va voir du coup pourquoi monsieur était recherché et on va faire tout ce qui sera nécessaire pour lui mettre la misère. Alors je peux le faire entrer dans le véhicule normalement, ouais. Juste ici. Allez, rentre derrière, mon pote. Voilà, mets-toi bien au chaud. Nous, on va rentrer également dans le véhicule avec Samantha. Et puis, on va regarder avec le plugin, je le rappelle, Compulite, qui est vraiment génial. Ped Record, Shane Young. Il est recherché pour avoir abusé du 911. Oh, bah, ça va. En gros, il a appelé plusieurs fois les secours pour pas grand-chose, quoi. Par contre, il a déjà eu des amendes pour cruauté sur les animaux. Pour refus de céder le passage et pour avoir été intoxiqué en public, donc ouais, genre de la drogue, ok, 27 ans, ok, bon ça va, en vrai ça va, le monsieur est pas très très méchant quoi. Par contre ouais, pour l'emmener au poste ça m'embête un peu, du coup je vais faire une ellipse, ouais, je vais l'emmener au poste exceptionnellement,
Je vous fais une ellipse et puis je vous retrouve eh bien juste après. À tout de suite. Et de retour les amis en patrouille, toujours avec Samantha qui me pose pas de problème pour le moment. Donc là voilà, je viens de déposer l'individu au poste. Et du coup ce qu'on va faire, on va passer juste ici, donc à l'entrée du Mont Chiliad. En fait vous connaissez ce chemin, voilà, on va reprendre cette petite route en attendant qu'on nous appelle pour une potentielle intervention. Ou alors voilà, dans l'espoir de... enfin dans l'espoir, on espère ne rien trouver de grave évidemment, mais voilà, pour contrôler un peu la situation, les civils, si tout se passe bien, etc. On est là pour ça bien évidemment. Donc c'est parti, on a 3 km de route tranquillement avant d'arriver, donc c'est bien le Mont Chiliad là-bas. Hein. Je crois que je m'étais trompé avant quand j'avais pointé une montagne, c'était pas le Mont Chiliad. Ah, encore un cambriolage, ça se passe où? Non, ça ce sera pas pour nous, ouais, ça se passe ici. Il y aura des collègues qui s'en occuperont, on va pas prendre cette intervention. Par contre, je vais en profiter, je vais demander directement s'ils ont pas autre chose dans le secteur. Véhicule avec un chargement sécure, non, pas ici. Est-ce qu'ils ont encore autre chose peut-être? Une évacuation, mais du coup, ouais, on va pas faire ça, on va pas faire ça. Dans le secteur, pour le moment, vous voyez, ça se passe bien. Il y a juste un entraînement d'évacuation. Enfin, voilà. Par contre, le véhicule, il est dégueulasse. Hein. Ah, il est complètement sale. Hein. Il va falloir lui passer un coup de Karcher, quand même. Enfin, voilà. Bon, les amis, voilà. C'est vraiment, pour le moment, un épisode qui est relativement calme. J'espère que ça vous plaît. On va un peu chiller, je pense, en haut du Mont Chiliad si l'opportunité nous vient. Si jamais on peut pas, parce qu'on sera en intervention, bah écoutez, on fera l'outro en haut du Mont Chiliad. Voilà, on fera ça comme ça si jamais. C'est magnifique quand même avec le mode graphique, regardez. C'est super beau, pourquoi l'enlever? Franchement. Du coup, voilà. Et puis, allez, on peut se permettre de faire un petit contrôle de véhicule au hasard. Hein. Je sais pas. Lui, il est pas suspect en même temps, mais... ça va être sympa de faire un petit contrôle. Alors attendez, parce que n'oubliez pas que j'ai mon ANPR, ce qui me permet de scanner les véhicules. Peut-être qu'il est recherché. Sadler, non. C'est bon, le véhicule est en règle. Enfin en tout cas, il a pas de... il a pas comme quoi, genre il serait volé ou qu'il est recherché ou quoi. Du coup tout se passe bien. Écoutez, je vais le doubler. Enfin c'est un peu compliqué ici, mais vas-y, je vais le doubler. Hop. Là, il y a des collègues qui sont en train de suivre un Jeep. Je pense que le Jeep n'a rien à se reprocher. Non. Et le véhicule en face? Oh là, ça coince. Ok, on a une poursuite. On a une poursuite armée. On a une poursuite armée, ils vont où? Ok. Là, par contre, faut qu'on y aille. Poursuite armée. Dans notre secteur, il y a déjà des collègues sur place. C'est parti. Là, ça va être un petit peu tendu. Une poursuite armée. Samantha, t'es prête? Je l'espère, parce que moi j'ai un petit peu peur. Alors moi les poursuites armées, forcément, t'as toujours une petite pression. On y va. Ils vont super vite, donc là la poursuite est lancée. Il y a déjà, comme dit, un collègue qui pourchasse. Donc si c'est une poursuite armée, je vais me permettre de demander un hélico. Si je trouve, voilà. Pour vraiment pas perdre sa trace. Et on y va. Donc l'hélico est sur place. Je pense que c'est un véhicule de... il est passé où le mec? Ah, oh, il fait demi-tour. On va le croiser, on peut lui faire un barrage. Là il lui a mis une feinte. Ah, j'essaye un peu de me fier au radar. Mais est-ce que me disent les collègues? Ok, bon, c'est parti. Là l'avantage c'est que, comme dit, on a vraiment le véhicule adapté à la situation, vous voyez. Donc c'est vraiment cool. Je vais enlever les sirènes, ça va rien. Ah, quoique là il a repris la route. Là il va prendre l'autoroute, par contre ça c'est un peu pénible. Attention. Ok, plan foireux, ça passe. Donc là-bas on voit l'hélicoptère. Donc comme ça nous permet vraiment de localiser où est le suspect. Et ouais, apparemment du coup il y a des shotfire, donc il y a eu des tirs. Ce qui fait que c'est un peu tendu. Ils sont aux abords de la base militaire. Oh, il rentre à la base militaire. Mais il va se faire flinguer là hein. Il est complètement teubé, il rentre. Il veut faire quoi? Il veut essayer de braquer un tank ou quoi? Il va rentrer dans la base militaire là, c'est n'importe quoi. Il est suicidaire le mec. Ça va être chaud. Le mec, à mon avis, il a des intentions très très... Mais il est rentré dans la base militaire, sans déconner. Il est rentré dans la base militaire. Bon, attends, hop, pas le choix. C'est exceptionnel. La situation ne m'est jamais arrivée, les amis. Bon là, du coup, les militaires, ils vont être sur le coup, hein. Évidemment que là les militaires ils vont être sur le coup.
Mais attends, il va quand même pas ressortir de l'autre côté. Non, il fait quoi? Il est en train de faire le tour de la base, le mec. Genre, il fait une petite balade, quoi. Et moi, je sers à rien derrière pour le moment, à part commander... Ok, on a d'autres... d'autres Chevrolet sur place. Bah, je crois qu'il y a que des Chevrolet sur place, j'ai l'impression. Bon, là, c'est bon. Là, il va se faire avoir, là. Regardez, il y a des avions de chasse et tout, et l'autre, il est là. C'est incroyable. Ok, ah ouais, il est armé. On voit le... C'est un gros jeep, hein. Ça va être chaud. Ils sont armés, faut faire gaffe. Pour le moment, ils tirent pas. Ils ont fait une tête à queue. On le bloque. Il est bloqué. Oh, ils sont beaucoup. Stop, police! On sort du véhicule, les deux mains en évidence. Jetez vos armes. Arrête-toi! Tout le monde les mains en l'air. Tout le monde les mains en l'air. Ça tire. Ça tire. On en a ou pas? Ok, c'est bon. On en a deux. Couche-toi au sol. Wouah. Oh, c'était chaud. On en a eu deux. Les deux autres, ils sont Delta, Charlie, Delta, du coup. Hein. Ok. Alors, par contre, je suis bugué. C'est bon. Ok, alors, on va directement le fouiller. Putain, c'est chaud. Putain, on est vraiment dans la base militaire. Il y a des militaires, il y a la SWAT, c'est incroyable. Ok. Alors qu'est-ce qu'il avait? Il avait rien, machin et tout. Bon, direct, lui ça part, police transport, on va pas perdre plus de temps. Pareil lui là. Pareil, lui on va le fouiller, c'est collègue qui va faire. Putain, c'est ouf. Ce qui s'est passé est ouf. Allez, dis-moi tout. Ok, il avait rien. Donc pareil, là ça part en prisonnier de transport là. Elle est où Samantha? Ah, elle est là. Elle m'a fait peur. Qu'est-ce qu'il y a Samantha? T'es secoué? Je crois que ça va... Oh merde! Oh pardon Samantha! Je voulais pas te... Oh le bordel! Bon allez, et puis pour ce véhicule là du coup, elle est où la plaque d'immatriculation d'ailleurs? Elle est là. Ok, donc recherche au fichier pour le véhicule suivant. 45. Sierra. Juliette. Uniforme. 745. Ok, pas recherché ou quoi. Allez, bon. On va fouiller le véhicule. Et ils vont se calmer avec leur sirène là. Il y avait rien. Eh ben, ça part direct en taux service. Allez hop, nous on se casse. On en a assez vu. Viens Samantha là, on s'arrache. Bon, eh bien les amis, on y est. Une intervention assez musclée là dans la base militaire. C'est incroyable. Franchement, ça ne m'était jamais arrivé. Du coup, là, on se retrouve vraiment dans la base militaire. Et d'ailleurs, ça me permet de vous demander si ça vous intéresserait des épisodes militaires. Mais genre, vraiment bien militaires. C'est-à-dire, pas spécialement que ce soit des épisodes chauds ou quoi. Alors par contre, je comprends rien à comment ça fonctionne la vie ici. Donc je vais me permettre de traverser comme ça. Il va falloir qu'on ressorte de là. Mais ouais, des épisodes militaires, c'est-à-dire, voilà, je suis avec... J'ai entendu des coups de feu. Mais je pense que c'est les soldats qui sont en train de s'entraîner. Du coup, voilà, des épisodes militaires où je suis, du coup, dans un camion avec plein de collègues, tout ça et tout. Enfin, avec plein de soldats, quoi. Et genre, juste, du coup, on patrouille. Pas spécialement un gros truc de malade. Mais voilà, est-ce que ça vous intéresserait? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et encore une fois, voilà, si vous avez des idées... de scénarios, de choses à faire, eh bien, n'hésitez pas à me dire tout ça. Putain, c'est stylé, Samantha, elle vient de dire... elle vient de saluer les gens. Et on fait comment pour sortir d'ici? Je comprends rien. Pourtant, on est rentré par là. Non? Alors là, les amis, vous allez me prendre pour un con, mais je... Mais je suis bloqué. Ah, mais attendez... Je suis bête. Ouais, il suffisait de suivre la route. Quel idiot. Bon. Eh ben, reprise du coup. Reprise de patrouille, tout simplement. Je suis totalement dispo. Allez, hein. Y a personne pour m'ouvrir. We've got a verb blockade on
Ok. Bon là, on a vraiment... Ça, c'est pas mal. Parce que c'est pas une intervention urgente ou quoi. D'ailleurs, du coup, je vais mettre juste quelques petits gyros. Alors, c'est pas ceux-là que je vais mettre. Voilà, je voulais pas lui faire peur. Juste les gyros arrière, comme ça, histoire de... Qu'on soit un peu rapide. Mais c'est une intervention où apparemment, du coup, on a des rochers. Enfin, en tout cas, des pierres. Qui gênent à la circulation. Voilà, c'est tout con. Mais du coup, on appelle la police pour ça. Comme dit, je suis l'unité, du coup, de... De cette zone, je suis pas que là, voilà, c'est pas... La police, c'est pas ça, hein. La police, c'est pas arrêter des gens, buter des gens, machin ou quoi, machin, hein. Vous, bon, vous le savez très bien, hein. Je vous prends pas pour des... Mais juste, c'est juste que je trouve ça vraiment cool, le fait qu'il y ait des interventions dans ce genre. Enfin, du coup, des interventions. Des... Tu vois, c'est pas vraiment une intervention, comment dire, c'est une demande, tout simplement. Il faut dégager la circulation. Je sais même pas comment ça va se passer, je sais même pas comment faire. En tout cas, on y va. Bah du coup ça doit être les collègues là qui m'ont appelé, je pense, puisque du coup ils sont passés par là. Du coup on y va. C'est à 600 mètres, enfin 700 mètres, excusez-moi, je suis un peu corse, hein, c'est mon côté corse. Big up Dragon Alpha bien sûr. Alors on y arrive, de toute façon on risque de voir ça assez facilement je pense. Il va y avoir des rochers qui gênent à la circulation. On y arrive. Ah oui. Ah bah là c'est un barrage là carrément. Ok, donc j'y suis. Donc là faudrait appeler un camion quoi, hein. D'accord. Et bah on va appeler un camion du coup. En tout cas je dois dire, et franchement je pensais pas, mais j'ai vraiment beaucoup moins de soucis avec Samantha qu'avec mes autres collègues des derniers épisodes quoi. Donc c'est assez fou. Tant mieux, hein. Donc clairement je pense qu'on va continuer comme ça. Donc évidemment on fera des épisodes qui seront beaucoup plus hard, avec des grosses poursuites etc, des épisodes plus chill etc. Enfin voilà, je vais essayer de me baser sur ce que vous me demandez. Mais en tout cas voilà, avec une collègue féminine ça c'est clair. Et je pense que ce sera souvent Samantha, parce que elle est quand même bien sympathique. Et puis elle est plutôt mignonne, hein, hein. Samantha, t'es mignonne, t'as le même nez que moi en plus. Bon, ça y est, le camion il arrive. par contre, et le camion comme toi là, hé, pep, pep, pep. Mais il est complètement ch'tarbe. Mais il est complètement fou. Bon allez, dégagez-moi toutes ces pierres là. C'est bon, c'est fait. Et ben voilà. Et ben c'était facile et rapide. C'est vrai que moi j'aurais pas pu mettre mes cailloux derrière, dis donc. Gros foutage de gueule. Bon, et ben voilà. Et bah c'est super. Bien les amis, je vous retrouve de nouveau du secteur du Mont Chiliad, puisque j'ai été appelé pour une nouvelle intervention qui est totalement dans mon domaine et surtout qui se passe au niveau du Mont Chiliad. Donc c'est parfait, c'est vraiment nickel. On va prendre une petite route qui va être assez tendue. L'intervention, enfin l'intervention, si on peut appeler ça une intervention, hein, y a pas de stress ou quoi, ce serait un camping qui est possiblement illégal. Donc on avait déjà eu cette mission dans un précédent épisode, ça fait un petit moment. Mais c'est un épisode qui n'était pas spécialement dédié à cela. Et là, franchement, c'est bien tombé parce que c'est vraiment dans un cadre assez sympa. Pour le coup, je peux comprendre le camping ici parce que c'est vraiment très joli. Mais du coup, c'est un camping qui n'est pas autorisé. Alors, pourquoi les campings sont illégaux et donc pas autorisés? Parce que tout simplement, c'est dangereux. Parce qu'il y a des animaux sauvages, évidemment. Donc nous, on n'a pas envie que la population, elle crève. Donc c'est voilà, nous, on est là pour la prévention, leur dire qu'ils n'ont pas le droit. Évidemment, comme il n'y a que comme ça que les gens peuvent comprendre, c'est comme avec le coronavirus, bah, y aura des sanctions. Donc si on arrive à choper les campeurs, eh bien on leur mettra des amendes. On verra s'ils sont sympas ou pas, si on est gentil ou pas. En tout cas, apparemment, donc il y a trois suspects. Il y a trois sujets, quoi. Trois personnes qui campent, donc on va aller voir ça, si les tentes sont encore là ou pas. On va voir ça, du coup. On y arrive. Donc ça se passe par ici. Alors, ils se sont peut-être bien cachés. Parce que là, le cadre, il est idéal quand même. Regardez, c'est super beau, hein. C'est magnifique quand même ici pour camper. Je peux largement comprendre. Alors, on va continuer un petit peu la route. Là, peut-être. Non. Là, je pense, sur ces hauteurs. Ah, là, je vois une caravane déjà. Je vois une caravane. Alors, écoutez, on va faire demi-tour. Ah, là, il y a un monsieur ici. Alors, attendez. On va aller discuter avec le monsieur, voir là, s'il a vu quelque chose. Peut-être qu'il campe là, je ne sais pas. Attendez, on va parler avec le monsieur. Ah, c'est une dame en plus. Bonjour madame. Bonjour officier. Est-ce que San Andreas n'est pas magnifique? Ah bah si, clairement. We are going, King on here is going to be great.
Winner, supposed to set. D'accord. Ah, c'est même elle qui se dénonce en fait, hein. But you can cut us break it this time, right? Ah, ok, bah si tu veux te la jouer comme ça, il n'y a pas de problème. En fait, c'est un. Donc là, cet individu me dit clairement, alors que je viens vers elle, hein, à la base, je voulais juste lui demander des renseignements si elle aurait vu des sujets, enfin des campeurs ou quoi. Et elle me dit d'elle-même qu'elle aimerait camper ici, quoi, parce que c'est super beau. Mais voilà, elle veut faire chier personne, donc là, elle m'a clairement demandé, quoi. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Là, on a donc du coup un petit. Bonjour monsieur, vous devez être. Collègue à madame. We thought it was okay just to park up out here. We were going to in a bit. I wait to park out here. Ok, bah je vous engueule pas monsieur. Donc là il est en train de se demander s'il avait le droit d'être là. Enfin, voilà, ils veulent juste être là un petit moment pour camper. Bonjour monsieur. What's going on? I'm just here. I don't realize it. Il n'a pas réalisé que c'est un trouble à l'ordre public. I don't see why this is just a big deal. Très bien. En gros, ils ont compris que ils sont pas spécialement autorisés. Du coup, bah évidemment, je vais pas leur mettre des amendes ou quoi, parce qu'ils sont super sympas. Par contre, voilà, je vais vraiment, par contre, leur demander. Bah déjà, attendez, vous pouvez me demander vos, enfin, me donner vos papiers d'identité, s'il vous plaît, parce qu'on sait jamais quand même. Justin Jenkinski. Bougez pas, monsieur. Et je vais leur demander en fait de quitter du coup la zone, hein. Évidemment. Mais voilà, ils sont super sympas. Et puis de toute façon, j'ai même pas d'amende à leur donner puisque de base, ils ont rien fait encore. Donc, ils ont le droit d'être là quand même. Du coup, voilà, bah monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous partir? Ok, I will pack up and get out of here. Voilà, donc là, il va rassembler ses objets. Et il va partir. Donc, pareil, je vais demander à ses collègues. Je pense qu'ils sont ensemble du coup. En tout cas, voilà, merci, vous pouvez partir, hein. Et puis, pareil pour la dame. Ah, c'est Sabrina qui l'a gardé. Alors, vous pouvez partir, madame. Let me just get my stuff. Voilà. Elle dit juste qu'elle va récupérer ses affaires. Ça, c'est génial. Ils sont super sympas. Bon, bah, c'est franchement, ça se passe très bien. C'est un épisode qui est réellement, réellement chill, hein. Ça va, tu veux qu'on se fasse un selfie? Eh, attends, on va faire un selfie là. Ça vous dit, on va faire un selfie avec Sabrina là. Elle a la pause. Autant en profiter, hein. Alors, comment on fait? Mince. C'est pas ça. Comment je fais? J'aimerais. Ah voilà. Hey, Sabrina! Par ici, regarde le coucou! Regarde l'objectif, Sabrina! Sabrina? Tu fais la tête? Bon, on va faire la photo quand même. Voilà. Sabrina n'est pas très coopérative. Hein. Ok, bon. Non mais j'en ai rien à foutre. Du coup, Sabrina, est-ce que tu veux bien me suivre? Ouais, là, elle va me suivre, je pense. Ouais, non, elle va me suivre. Ouais, c'est bon, parfait. Super sympa. Donc là, ça y est, les campeurs, ils sont en train de partir. Regardez, il n'y a plus de véhicule. Et puis là, ils sont juste là en train de. Bah, lui, il était déjà là, je crois. Je sais plus. En tout cas, ils sont en train de partir. Bah, c'est nickel. Ça se passe bien. C'est une fin d'intervention. Voilà. You successfully. Et bah, cette fois, j'ai réussi l'objectif à 100%. Je les ai tous identifiés. Et puis, j'ai réussi donc à négocier avec eux le fait qu'ils partent. Bah nickel. Bah écoutez les amis, c'est sur ce beau paysage. On va même pas monter en haut du Mont Chiliad. Si vraiment vous voulez qu'on se fasse une fois un épisode au Mont Chiliad, pourquoi pas faire un scénario là-haut, limite. Je pourrais travailler là-dessus. Bah n'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être me proposer des idées. Dans tous les cas, voilà, je lirai et je lis vos commentaires. Toutes les idées, je les prends. Je suis complètement preneur. Donc voilà. J'espère que cet épisode plutôt chill vous aura plu. Dans le prochain épisode, on essaiera de faire plutôt un épisode mouvementé. Voilà, on essaiera de voir tout ça. Pouce bleu donc si cette vidéo vous a plu, si Sabrina vous a fait plaisir. On va retrouver Sabrina, hein. Très clairement, Sabrina sera toujours avec nous, moi je vous le dis. Hein, hein Sabrina? Ouais, bon. Elle a pas l'air très ravie, quoi. Puis Sabrina, elle a une quéquette, hein. Bon, allez, c'était Mkolo. Ciao, ciao tout le monde. Bisous, bisous.